Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur TV La Caille. Aujourd'hui, c'est vendredi 21 janvier 2022. Nous comptons avec vous matin là pour nous porter vidéo d'information ça pour vous. Sans perdre du temps, pour remercier toutes si là qui toujours été connecté sur TVA et n'a pas merci pour fidélité ou confiance. Merci tout parce que vous faites choix de un meilleur canal qui là pour informer vous sur actualité en Haïti ou à l'étranger. Nous là n'a bousqué, n'a cherché pas si par là pour nous venir informer. L'homme est pété dans le pays d'Haïti, la police envahit 400 maozo, plusieurs bandits tombés, mais comme ça tout, la police a pris un coup parce qu'il y a un inspecteur police qui lui-même tombé en bas balle avec 400 maozo. Et bien la police déterminée question 400 maozo avec divers autres groupes gang qui a formé en bas, et bien la police décide d'éliminer ça, et bien disparaître groupe bandit ça qui a même commencé à faire un pile problème surtout dans le bloc canarien. Eh bien, mesdames et messieurs, moun la pleine, c'est chagou après en mot tellement 400 maozo, absimé la troubla, et nèg sa ou envahi, marché canara, en pile moun tombe, ti moun comme grand moun, et c'est là, la police, li même changé, et donc, fusil d'épaule pour voir comment l'Itaka mette un fouin, nan kous nèg 400 maozo, qui ont même fin envahi, zone nan kwa de bouquet. Nous prenons petit détail pour vous, avec un porte-parole, la police là, qui se Gary Desrosiers, qui pral la confirmer nous, est-ce que tout bon vrai? Eh ben, gen yon inspecteur police yon ta kembe, et kap van nan nèg 400 maozo, à divers lot groupe bandi, munitions, zam, mes amis, bagay yon vraiment déraillé, la police pour bon par la tente arrêter bandi, et l'autre bon même gen policier cap vendre bandit zam, et c'est comme ça pays d'Haïti les mêmes li réduit journée aujourd'hui. Arrêtez connecté sur vidéo ça guys, bon vendredi tout le monde, bon début de week-end. N'a tourné la question que vous avez posé concernant policier que arrêté et ou même vous avez vérifié. Alors même comme des documents retourné aussitôt que moi même moi vérifié parce que moi même parlé avec des données d'appréciation, et effectivement et policier ça les arrêté les pour le moment dans une commissariat yo et gagné et plusieurs dossiers et gagné et la banquette justement sur les policiers ça. Ok, mais effectivement c'est confirmé qu'il a arrêté là. Oui, c'est confirmé. La parole. Merci un peu Gary Desrosiers. Merci un peu. Mais tout, profitez tout, antenne Radio Mega pour nous dire que direction générale la police nationale la visée publique, spécialement et candidat qui gagne pour venir passer pour intellectuel là ou pour venir policier et pour 32e promotion gagne yon épreuve intellectuelle qui a organisé pour environ 8000 candidats et dimanche 23 janvier 2022 là, sur tout pays là, candidats et qui sélectionné yo y a il y a plusieurs informations qui continuent à sortir sur éventuel la mort et commissaire. C'est pour ça nous prenons pour nous parler tout à l'heure avec yon zami d'enfance commissaire côté Cyril quartier La Tremblay, quartier côté commissaire Jean Isma a été levé. Mais juste avant nous rejoignons porte-parole police nationale l'inspecteur Jean Gary Desrosiers qui est avec nous. Gary, bonjour. Et bonjour Pierre Renel, bonjour Guerrier, et bonjour tout auditeur, auditrice Radio Caraïbes. Alors, au niveau de la police, jusqu'à présent, nous n'avons pas capable nous-mêmes pour nous déclarer que le commissaire a mouru, et ce que nous-mêmes nous avons souhaité, et nous à la recherche jusqu'à présent de commissaire là également et madame Ney. Parce que pour que vous déclarez que vous avez mouru, il faut d'abord juge de paix a adressé un procès verbal, il faut le constater lui-même. Ou du moins, il faut que les gens qui poursuivent, il faut que les policiers qui travaillent avec lui identifient et quoi. C'est une raison que nous disons que nous à la recherche toujours de commissaire Jean Ismaël Auguste. Oui, mais grand pile parole qui a parlé, porte-parole et qui crée confusion. Donc la police dans le système information que les gagnants, rapprochez-nous plus ou moins de qui ça comme information, puisque nous gagnons information qui dit nous tout commissaire n'a pas mouru, alors que en pile témoignage dit yo tué policier y aller à cadavre. Donc là, coulier en là, qui ça nous a dit? Bon, on connaît généralement la situation, ça, il fait, malheureusement, et il crée un peu de trouble d'information. Et ça fait que nous, t'as préféré que, au niveau de la police nous-mêmes, et pour que nous étions crédibles à l'information que nous avons véhiculée, pour nous sûr de ça que nous avons dit, c'est une raison que nous dit que, et nous, t'es parlé avec le responsable de quoi de bouquet, ou nous parler avec DDO, l'OS2, encore, et à rechercher, et commissaire là, et nous souhaiter joindre en vie
ainsi que madame. Donc, commissaire police n'a pas mouru dans une ambiance de, d'insécurité qui est installée dans la zone Croix des Bouquets depuis plusieurs années avec le groupe 400 Marozoa qui continue à opérer sous toute pleine. Donc, depuis quelques jours là, nous, la police a essayé de faire des interventions, des opérations dans la direction Baza pendant une situation compliquée sous Matissan. Donc, pour nous, je dis, hein, craser base 400 Marozoa sont priorité. Et tout c'est pas simplement au niveau de 400 Marozoa au niveau Croix des Bouquets, mais c'est au niveau tout pays, hein, c'est l'objectif que nous fixons. Et mais on connaît que peut être difficile pour nous sur plusieurs fonds en même temps. Mais il y a des fonds que comparativement à l'autre et stratégie a défini que alors problème ça et nous réaliser que on en zone doudoun qui ont localité Croix des Bouquets et j'ont toujours à dire là tout gagner de réseaux de gangs qui pratiquement en évolution qui en est et là et c'est là justement l'opération est fixée et ceci que sur toute la zone 400 Marozoa qui permettent nous que nous fassions quatre interpellations dont yon des dames qui se concubine et yon gang qui les Dominique est si connu qui vient pour avec et groupe et gang qui est dans et 400 Marozoa. Mais nous pas simplement là, nous pas fixer la chaîne noire, nous fixer tout côté de foyer de Gamio et encore une fois on a profité antenne radio Caï pour nous dire que pour n'arriver et déstabiliser pour n'arriver éradiquer réseau de Gamio faut population ouan, et pour côté parler aider nous et supporter nous en appui au niveau Croix des Bouquets nous fait expérience là et nous population pratiquement elle en appui avec PNH et nous espérons tout autre côté que gang de bandits empêcher la population d'avoir librement activité de bandits qui a violé des jeunes et bagage ça nous ouais qui ça gagne qui conséquence que gagne la famille haïtienne dans notre société hein. De bandits de gangs qui a kidnappé monde qui a rançonné monde c'est des bagages qui que nous pas accepter et population hein, nous demander population pour que les maconnais effort avec effort que la police a fait pour que nous soyons capables d'arriver ensemble pour nous déstabiliser, pour nous éradiquer et pour nous procéder à l'arrestation au conduit devant la justice. Commandant chef et France LB passe instruction et il est très préoccupé par la situation du Canada et ensemble de foyer de Gamio pour que ensemble pour que nous capables et pour que nous capables éclater et mobilisation volontaire au niveau de la police nationale. Ouais, semaine ça il y a un pile monde qui mouri sous Croix des Bouquets et la police menait de opération, il dit que bandi en représailles touyé en pile monde oui mais gagne on image qui a circulé qui montrer un policier en uniforme que monsieur t'a tiré et t'a touyé souvlé. Qui bilan la police a présenté nous de dernière opération nous menait sous Croix des Bouquets et information qui liée avec moun qui mouri. Nous pas bon bilan et pour le moment et final de opération parce que puisque l'opération même a continué et cette opération qui est tenue depuis plusieurs jours au niveau Croix des Bouquets et nous avons parlé de quatre personnes qui étaient interpellées, de véhicules qui arrivaient confisqués, qui arrivaient abandonnés, également de pratiquement de corps à corps. Et au niveau de la police avec Gamio et côté Gamio et même et tiré tout en direction de la police et la police est postée. Mm-hmm. Eh bien d'accord, merci un peu le porte-parole. Au niveau de la DCPJ, il a confirmé que la DCPJ possède l'arrestation du policier Félix Kall et qui pour le moment au niveau DCPJ a quitté Souli et plusieurs chefs d'accusation et qui pesait Souli et DCPJ tout lors d'une vérification routine sur route Tabalan mercredi 19 janvier 2022 DCPJ BLVV possède l'arrestation de Hazard Rinel et qui d'abord un véhicule Nissan patrouille de couleur noire et quatre portes de numéro plaque placé AA18671. Monsieur était activement recherché par la direction centrale de la police judiciaire pour vol de plusieurs véhicules et falsification de moteurs. Pour le moment, monsieur, au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Et pour un peu plus tard, Pierre Winel, guerrier du sel, nous connaît que le 21 janvier, c'est fête et Altagrasse qui sont gros rassemblements et qui pratiquement sous Delma. Et généralement, il est toujours sorti zone Saint-Ivio pour monter vers Altagrasse, mais c'est l'inverse. Côté que il a sorti en termes de possession a sorti de Altagrasse pour la Saint-Louis et la police informée et au niveau commissariat de Delmas et
et police communautaire, DDO, circulation, DCPA, et la porte aux dispositions pour que nous soyons capables d'accompagner ensemble de petits salariés de Saint-Luc Gonzague à 1h30, dans deux Altagrasse, côté que la sortie à 1h30 pour arriver dans Saint-Luc Gonzague pour l'accompagner pour nous mettre en sécurité. Merci un peu, porte-parole Gary Deosé qui est palais de police. Ça, Carl Steven Félix, agent 1, qui est affecté dans sous-commissariat Thomas Saint, qui est interpellé mercredi 19 janvier 2022. C'est bureau affaires criminelles, la direction centrale police judiciaire au DCPJ qui est arrêté le citoyen. Ça, en tout cas, policier ça, il est impliqué dans plusieurs actes qui ont rapport à l'association malfaitaire, vente d'armes à munitions. Et affiliation liée à gang Terre Noire que Jonès Catel et Angelo Marotier a dirigé. D'après ça, la police nationale fait connaître. Pourquoi il est là, agent ça, Carl Steven Félix, il est placé en garde à vue et poursuite procédurale en attendant d'aller devant la justice. Nouvelle interpellation ça, d'après la police nationale d'Haïti, il est inscrit dans le cadre de démarche des GPNH. France LB Tamin, yon façon pour capable retirer toute mauvaise graine qui est dans l'institution policière. Là, il y a une sanction qui prévoit contre toute policier qui t'a impliqué dans un mauvais acte parmi eux, c'est retiré dans l'institution policière. Là, donc, policier ça qui c'est un agent 1, l'y trouver sous contrôle autorité policière yo, parce que l'État gagné zamitaille avec gang Terre Noire. Donc, monsieur, selon la police nationale, t'as habitué van zam ak munitions dans le pays d'Haïti, département l'Ouest précisément. Commissaire Ismaël Jean, un commissaire police modèle pour communauté côté li sorti dans la Tremblée, commune Croix-des Bouquet. Jeune quartier ça a crié départ aux nouvelles en mort commissaire police là. Nous rejoignons un ami d'enfance commissaire là qui voulait parler sur qualité commissaire là, ça le connaît puisque il était grandi. Et ensemble, en attendant, information yo confirmé ou pas, et question qui gagne pour assassinat, commissaire police là, n'a pas le parler à Guy, oui, Guy qui a accepté parler avec nous sur la vie, commissaire à police Jean Ismaï. Guy, bonjour. Oui, Guy. Oui, hello. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, m'la. Mm-hmm. Oui, bonjour Pierre-Renel, oui. Bonjour et tout auditeur, auditrice Radio Caraïbe, bonjour et tout panel et Caraïbe FM. Mm-hmm. Donc, vous avez grandi avec le commissaire Jean Ismaï dans le quartier La Tremblée, dans la commune Croix-des Bouquets. Donc, depuis plus que 48 heures, information, laissez comprendre, le commissaire a mouru dans l'attaque de 400 Marozo, mais nous pouvons joindre le cadavre là. La police encore pas parlé de mort pour le commissaire là, mais nous-mêmes, nous indignés et nous attristés par ce qui passé là. Et vous voulez parler, vous voulez témoigner sur relation nous-mêmes dans la communauté La Tremblée à nous avec le commissaire police là. Bon, faut me dire que le commissaire Ismaï, c'est un monde que nous connaissons depuis l'enfance, c'est parce que les a été 5 minutes avec la caille et son nègre qui est très discipliné, faut me dire son nègre qui levé dans l'église, faut me dire qu'il était baptisé dans l'église. Première église baptiste de la Tremblay, hein? Papa Alto, qui c'était da, et c'était Jack l'église, ça. Et toute famille, hein, femme de son famille, des 6 enfants, il y a 2 frères, 3 soeurs, tout le monde, ça, c'est dans l'église jusqu'à présent, depuis enfance. Et Ismaï fait études primaires, l'école méthodiste de la Tremblay, des préscolaires jusqu'à moyen 2, et puis c'est là qu'il est venu descendre à Port-au-Prince, il a fait études secondaires dans l'église, dans l'école, dans le lycée Pétionville là. Et il a continué, il fait des facultés, c'est faculté des droits et faculté des sciences. Et ensuite, il est retourné à la Tremblay, côté, il a venu mettre campé dans l'école.
et primaire. Je pense que ça a fait environ 4 ans, ça n'a pas marché. Et puis, en 1995, la première promotion police, là, il était arrivé intégré. Femme de son monde qui est très, 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 très réservé. Et dans toute activité, nous connaissons la Tremblay entreprendre. Je pense que c'est celle l'école et méthodiste qui était connue jouer au football parce que qu'on a un championnat interscolaire à cette époque. Et c'est pas monde qui est censé remettre foule.